masque parfait de subjonctif. Non mais qui a eu l'idée d'inventer ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Johanna? Tu déprimes? Je déprime? Je déprime et j'en ai assez. Non mais, je suis sûre que la langue française était inventée par quelqu'un qui détestait les étrangers. Mais pourquoi tu dis ça? Tu te débrouilles très bien. C'est gentil, mais... Non, je sais, c'est une belle langue. C'est joli. C'est plein de nuances, de romantisme. À ce moment-là arrive la plus que parfait de subjonctif. Et voilà, brusquement, je déteste la langue française. Sauf quand Christian t'embrasse. Oh, Cathy, c'est dégoûtant ce que tu dis. Peut-être qu'elle a raison. Oh, mon croquet d'amour. Tes baisers me réconcilient avec la langue française. Ne bougez pas, j'y vais. Ça va me faire pratiquer un peu, puis on sait jamais. C'est peut-être mon croquet d'amour. Allô, oui? Yeah, it's me. Angelina! Well, where are you? In Paris? Well, why didn't you call me before? You're at the airport. But where? Which terminal? Charles de Gaulle? Ah! Okay, well, listen, I'll come to get you, okay? Yes, I have a car. No, I don't mind. No, just tell me where you are. Hang on a second. Oh, I have so much to tell you, I can't believe it. Okay, okay, tell me where you are, honey. Okie dokie. Well, listen, darling, I'll be right there, okay? Don't move and don't talk to anybody, okay? Bye-bye, me too. Et ma copine Angelina du Texas! Elle s'est disputée avec ses boyfriends. Alors, elle a sauté dans un avion. Elle est à Paris. De Houston, Texas, à Paris, parce que c'est disputé avec son boyfriend? Non, ils viennent de Rome. Elle est mannequin, là-bas. Mais tout de même, faire Rome-Paris parce qu'on se fâche avec son petit ami... Non, non, mais vous comprenez, je suis la seule amie qu'elle a en Europe. Alors, sa première idée, c'était de venir me voir. Mais c'est sûr que pour vous, Paris-Rome, c'est la banlieue. Oui, c'est un peu ça, oui. Oh, vous allez voir les filles. Angelina, c'est une fille super, oui, super. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Tu sais, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Nos parents, ils étaient voisins. Ah. Écoute, on se retrouve à la cafette après, ok? Et ne dites rien, garçon, comme ça, je peux les faire des surprises, ok? Allez, bye bye. Eh bien, si Angelina est comme sa copine, on va pas s'ennuyer. Là, je crois que tu peux le dire. Bon, écoutez, là, il exagère, Christian. 2 heures de retard, ça fait beaucoup. C'est pas de sa faute. Il devait aller chercher sa grand-mère à l'aéroport. Bon, bah, l'avion devait avoir du retard, c'est tout. Ouais, c'est vrai que les avions en ce moment, c'est pas la joie, question précision, hein. Ouais, bah, il aurait pu prévenir. On aurait annulé la répète, on serait tranquillement allé retrouver les filles à la cafette. Ça y est, j'ai compris. Cathy te manque, c'est ça? Oui, elle me manque. Mais n'empêche que je préférais mille fois être avec elle plutôt que de tourner en rond ici. Bon, écoute, Étienne, on peut commencer à répéter sans lui, non? Sans batteur? C'est pratique. Oh là là, je sens qu'il est de mauvais poil ce matin. Mais non, enfin oui, enfin, j'ai envie de voir Cathy, c'est tout, non? Ouais, bah moi j'ai envie de voir Hélène. C'est vrai que c'est stupide de rester ici à ne rien faire. Salut, je peux entrer? Eh bien moi, vous voyez, j'ai plus de chance que vous. On vient me voir, moi. Ça va, chérie? Mmh. Mais je crois pas à ça. Et en plus, ils nous narguent. Ils le font exprès. Ils le font exprès, je te dis. T'inquiète pas, ils sont en manque. Ça fait une demi-journée qu'ils n'ont pas vu leur petite copine. Je peux peut-être les faire patienter. Ah. Hein? Alors? Mais ça va déjà beaucoup mieux. On en va encore un petit peu. Mais oh, doucement. Faut pas abuser des bonnes choses, hein. Bonjour. Égoïste. Pire que ça, c'est un vicieux, oui. Salut. Je vois que je dérange. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Salut, Nathalie. Bonjour. De toute façon, j'ai toujours adoré déranger. Eh bien, les deux grands dadais. Vous savez que je suis libre maintenant. Qu'est-ce que vous attendez pour me dire bonjour? Je
Je me demande vraiment à quoi ressemble sa copine. Bon, Angelina, avec un prénom comme ça, elle doit avoir du sang mexicain. Ça doit être une petite brune. Avec un tempérament d'enfer, pour être la copine de Johanna. Les deux ensemble, je sens que ça va pas être triste. La tête de Christian, tu l'imagines? Johanna plus sa copine. Oh, je ne sais pas s'il va survivre. Bon, regarde, on va pas tarder à le savoir. Mais elle est toute seule. Salut les filles. Ben, Johanna est ta copine. Tu l'as ratée? Je l'ai vue. Une boule de tête, vous vous êtes disputée? J'ai eu une souvenir qui était complètement folle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Figurez-vous, en arrivant en Roissy, je suis tombée en plein dans un embouteillage. Ben, c'est vrai que c'est pas la bonne heure, hein? Pas la bonne heure? Tu veux dire que 16 heures, comme ça, ça devrait même pas exister. Oh là là, il y avait un moment où j'étais complètement arrêtée sur l'autoroute. Alors je me suis dit, mais Johanna, c'est ta meilleure copine que t'attends? Elle va s'impatienter? Alors j'ai pris la voie d'urgence sur la droite. C'est complètement interdit. Ben je sais, c'est pour ça que les flics ont commencé à me poursuivre. Les flics t'ont poursuivi? Deux énormes motards. Je les ai vus là, dans le rétro. Je peux vous jurer que je faisais peur. Je plains les gens qu'ils ont quelque chose à se rapprocher. Parce que t'avais rien à te reprocher, toi, peut-être? Ben non, j'étais juste un peu pressée, c'est tout. Bon, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est comme si t'étais juste derrière moi, j'ai accéléré. Tu t'es pas arrêtée tout de suite? Mais non, mais j'ai pensé qu'ils iraient assez, surtout qu'il pleuvait. Et en moto, c'est pas très agréable sous la pluie. Mais t'es folle. Non, mais de toute façon, j'avais aucune chance. C'est en résistant, vos flics français. Et puis, bon, de toute façon, avec ma vieille voiture... Mais Johanna... Oui, 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 ils ont fini par me rattraper. Et comment tu t'en es sortie? Grâce au coussin. J'ai toujours sur le siège arrière. Attends, me dis pas que t'as jeté le coussin sur la tête des motards. Oh non, c'est pas assez long pour les sommets, de toute façon. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai mis sous ma chemise, sous ma vampe. Et puis? Puis, j'aurais dit, j'allais avoir un bébé. Elle fait de toute urgence voir un médecin. Oh, t'as osé. De toute façon, c'était la seule solution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils étaient super. Ils m'ont dit de partir tout de suite derrière eux. Ils ont traversé l'autoroute et on a pris l'autoroute en contresens. C'était génial. Ils étaient là, tous les deux devant moi, pour écarter les voitures, tu sais, qui arrivaient dans l'autre sens. Oh non, ça aurait cru dans un film policier. Et puis, de temps en temps, il y avait un qui a ralentissé, tu sais, pour me demander si ça allait. Et alors? Alors, j'ai dit... Oui. Ça a fait semblant de souffrir. Mais comment ça s'est fini? Ils m'ont emmené au centre médical de l'aéroport. Car ils sont très bien équipés pour ça. Non, mais là, comment t'as fait pour t'en sortir? Ils ont bien dû s'apercevoir que c'était pas vrai. Mais grâce à l'interne de service... On s'en retrouvait tous les deux dans la salle d'examen. J'aurais tout raconté, les vérités. Ça les fait beaucoup rire. Alors il est sorti et il a dit à les flics que c'était un faux salaire. Alors, après, ils m'ont invité à dîner. On peut dire que tu l'as jamais belle. Pour les dîners, non, pourquoi? Il était mignon. Ah, mais je lui ai dit que j'étais prise. Il m'a laissé son numéro de téléphone. Mais ta copine? Ah, oh! Oh, c'est pour ça que je suis fort de rage. Je tente que le flic parte. Je sors de centre médical. Après le voir jurer en interne que je l'appellerai, je fonce à prendre rendez-vous. Et puis là, vous ne devinerez jamais. Angelina était partie. Mais non, puisqu'elle nous a dit qu'elle l'avait vue. Ah si, je l'ai vue. Elle était là. Elle était toute maquillée, toute pomponnée, toute décontractée, alors que je viens de courir tous les dangers pour la rencontrer. Et alors? Alors on s'est dit bonjour. Et puis, vous imaginerez, mais jamais, mais jamais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je savais toujours qu'elle était folle, cette fille, mais... Mais raconte. Elle m'a demandé de partir. De partir? Oui, figurez-vous. Je l'avais rencontrée en m'en attendant une adorable petite Frenchie. Tu sais, bébé, comme je les aime. Elle m'y a dit qu'elle était seule. Qu'elle ne connaissait personne à Paris. Il fallait surtout pas... qu'il me voit avec elle. Non. Si. Que je traversais tout Paris, je me suis
poursuivi par la flic, j'ai brûlé l'entérieur dans le grand 300, je faillis accoucher. Tout ça pour m'entendre dire que, oh, tu sais, excuse-moi, darling, mais il faut surtout pas qu'il te voie. Il était vraiment mignon, son petit Frenchie. Mais j'en sais rien, j'ai même pas vu. Mais il était où? Il a envoyé à récupérer sa bagage à consigne. Mais il a donné un mauvais numéro pour être sûr qu'il ne me voit pas. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je repartis tout de suite. Je suis revenue directement ici. C'est une histoire de fou. Attends, attends, je vais y oublier. En revenant de l'aéroport, je suis encore attrapée par la flic. Parce que j'ai pas mis ma ceinture. Mais attends, c'était la même à l'aller. Je ne dis pas qu'ils ne t'ont pas reconnue. Ouais, moi et ma voiture aussi. Mais comment t'as fait? J'ai dit que ma sœur jumelle s'est trouvée formidable. Elle m'avait chargé de remercier quand j'allais récupérer sa voiture à l'aéroport. Vous savez, les garçons, vous avez tort de ne pas plus vous occuper de moi. Je suis la petite amie idéale. Belle, intelligente, distinguée, pas jalouse. Tu as de la chance, parce que moi, je serais plutôt du genre très jalouse. Tu vois, moi, je ne suis jalouse que si un garçon en vaut vraiment la peine. Pour l'instant, ça ne m'est encore jamais arrivé. Ça, c'est vraiment dommage pour toi. Bon, dites, les copains, si au lieu de rester plantés là comme des idiots, on allait boire un pot tous ensemble à la cafette, D'autant plus que les filles doivent nous attendre. Mais laissez-les attendre. J'aime autant vous voir quand vous n'êtes pas avec elles. Vous avez l'air de petits toutous en train de leur lécher les pieds. Peut-être, mais ça nous plaît et ça ne regarde que nous. Ah bon? Vous aimez ça? Remarquez, pourquoi pas? Vous savez, j'ai de très jolis pieds, moi aussi. Ça ne te tente pas, Nicolas? Vas-y. Nathalie, tu trouves pas que tu exagères? Peut-être, mais il n'y a pas que moi. Désolée de vous avoir importuné, messieurs. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Je ne l'ai jamais vu comme ça. T'inquiète pas, mon bébé. Nathalie a toujours été bizarre. Aujourd'hui, peut-être un peu plus que d'habitude. Mais tu vois, ça ne me surprend pas. Mais c'est une pauvre fille. Elle est un peu paumée. En fait, elle me fait de la peine. Ça y est. Saint-Nicolas va encore nous faire son grand numéro. Bon, allez, dites. On continue à attendre Monsieur Christian, qui doit rentrer de l'aéroport avec sa grand-mère, là, ou on va rejoindre les filles. Moi, ça ne me gêne pas d'attendre Christian. On est très bien ici. Bien, moi, j'en ai assez. Bien, tiens. Je vous ai dit à Christian qu'on attend la cafette. Et si vous croisez Christian, dites-lui que c'est pas la peine de se presser, hein? Voilà. J'aurais voulu voir la tête des motards quand tu leur as dit qu'il fallait que tu ailles à la clinique d'urgence. Je suis désobligée de me mordre les lèvres pour pas rire. Moi que ça faisait bien. Comme ça, ils croyaient que je souffrais. Oh, j'aurais jamais osé faire un truc comme ça. Mais tu te rends compte, Étienne, si je t'étais aperçu que c'était pas vrai. C'était quand même gonflé, hein. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? La loi du Far West. Tu passes, tu meurs. Chez moi, on nous apprend ça quand on est petite, petite. Oui, bah, ça m'étonnerait que tous tes Texans soient comme toi. Ou alors, je plains la police de là-bas. Oh oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu spéciale, mais tout de même. Et ta copine Angelina, elle est mignonne. Ça y est, on se renseigne, on a envie de changer. On... Mais non, je disais ça comme ça. Elle est sublime. Quand tu étais petite, j'étais toujours jalouse. Je vais te croire. Piquer toujours mes petits copains. Ça doit être un drôle de numéro. D'abord, sauter dans un avion pour Paris parce que c'est disputé avec son boyfriend. Et après, te planter à Roissy parce qu'elle a rencontré un petit Frenchie. Très mignon. Bonjour le tempérament. C'est la loi du Far West. Il passe et tu meurs. Ouais, tu devrais avoir raison. Non, mais vous savez, avant d'encontrer mon petit cri-cri d'amour, j'étais un peu quand même. Mais bon, ça, maintenant, ça m'a complètement passé. Au fait, il est où, mon cri-cri? Il est en même temps pour chercher sa grand-mère. Mais ne t'inquiète pas. Le temps de récupérer les bagages et de la raccompagner chez elle. Oui, c'est vrai. Bon, excuse-moi. Tu sais, quand elle n'est pas là, je suis toujours un peu en quête. Elle est tellement mignon. J'ai toujours peur que quelqu'un me le vole. Ah, j'ai plus un anti-vol. Remarque, ce n'est pas si bête comme idée. Et ça y est, c'est encore sur moi que ça retombe. Mais tu as le meilleur des antivols. Ah bon, et c'est quoi?
C'est toi. Pardon, je ne savais pas que vous étiez là. Moi, je ne savais pas que tu avais une aussi jolie grand-mère. Bonjour. Non, mais ce n'est pas ma grand-mère. Elle arrive demain, elle a raté son avion. Vous savez, on est tous un peu fous dans ma famille. On s'en était aperçu. Entrez, mademoiselle. C'est une copine américaine que j'ai rencontrée à l'aéroport. Et voilà, elle s'appelle Angelina. Angelina, je te présente José et bonjour. Bénédicte. Bonjour. Salut, j'ai beaucoup aimé votre façon de vous embrasser. Merci. C'est vrai, au Texas, les garçons ne savent pas embrasser comme ça. Ah, parce que vous êtes du Texas, quand même. Ouais, 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 elle est du Texas. Et de Houston, si tu veux tout savoir. Ah. Pourquoi, vous connaissez déjà quelqu'un qui vient du Texas? Oui, oui, enfin, pas très bien. C'est un copain d'un copain. Et même un très bon copain, nous. Mais... Enfin, un ancien copain, c'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup, hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé le rencontrer. Quoique, les garçons de Texas ne m'intéressent pas beaucoup. Je peux faire les petites Frenchies. Ils embrassent beaucoup mieux. En fait, tu ne m'as pas embrassé déjà. Ouh, le vilain garçon. Ben ouais, mais à l'aéroport ou dans le taxi. C'est vrai qu'il vaut mieux être tranquille. Mais on est tranquille, là, hein, non? Ouais. Ce n'est pas moi pour une première fois. Mais je l'ai rencontrée à l'aéroport. Et comme elle ne savait pas où aller, elle était un peu perdue. J'ai proposé de profiter de mon taxi pour rentrer à Paris. Et moi, j'ai dit oui. Je ne regrette pas. On essaie encore? Ouais. La deuxième fois, c'est déjà mieux. Je sens que j'avais beaucoup aimé Paris. Ouais, on a perdu du temps pour les bagages. Parce qu'Angelina s'est trop étiquée pour la consigne. C'est pour ça qu'on est en retard. Oui, au fait. Les autres nous attendent, chez Alfredo. Les autres. Oui, ouais, les autres. Ouais. Hein? Vous êtes bien, je vais parler. Je viens, bien. Tiens. Et les filles, vous nous attendez, vous êtes pour une minute, là. Elle est super mignon. C'est quoi son nom, déjà? José. Non, l'autre. Le mien. Ah, enfin, le voilà. Oh, votre trait d'amour. Salut les filles. Eh ben tout de même, tu t'es décidé à venir. Ta grand-mère va bien? Ben, figurez-vous que je suis allé à l'aéroport pour rien. Elle a raté son avion. Décidément, c'est la journée. Oh, mon pauvre écrit. Pourquoi tu te dis c'est la journée? Ah non, non, pitié, Johanna. Tu raconteras tes exploits à Cricri tout à l'heure dans ta tête. Ça fait déjà deux fois qu'on les entend. Sans compter les reprises pour les détails. Ok, bon, d'accord. Mais t'assois près de moi, Cricri. Eh, au fait, je suis passé au garage. J'ai vu José et Bénédicte. Tu ne les as pas dérangés, j'espère. Presque. José doit passer avec une cousine à lui. Elle est américaine. Non. Elle est de passage à Paris. Ah, bah tu vois, Johanna, tu vas pouvoir parler anglais. Tu savais pas que José avait de la famille aux États-Unis? Moi non plus. Non, non, mais c'est une cousine éloignée, enfin, je crois. Ah, tu l'as vue? Elle est mignonne. Bof. Non, c'est pas mon style. Ah oui, j'espère bien, parce que ton style, c'est moi. Hey, si c'est elle, elle est plutôt canon. My God! Christian, darling! Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte, José. Est-ce que tu veux que je dise que je suis sa cousine? Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on sache que tout le monde love les petites Frenchies? Angelina! Johanna! Mais enfin, Johanna, je ne pouvais pas savoir que c'était ton petit cri-cri d'amour. Écoute, Angelina, depuis qu'on est toute petite, tu piques tous mes boyfriends! Si je suis partie de Texas, c'est un peu à cause de toi. Alors là, tu arrives en France. Il y a 25 millions de Français du sexe masculin. Et c'est là que tu choisis un milieu de ces 25 millions de petits Frenchies. C'est mon cri-cri d'amour. Alors là, j'ai dit non, OK? Mais Johanna, je ne pouvais pas deviner que c'était ton petit cri-cri d'amour. Ce n'était pas écrit sur son fond. Oh, j'ai tué! J'ai toujours su que j'aurais dû la faire. Oh, Johanna, t'exagères, tu vas pas tuer ta meilleure amie quand même. Oh non, non, mais je ne parle pas de ça. J'ai toujours su que j'aurais dû écrire sur la tête des Christians. Ceci est parti en année de Johanna. C'est propriété privée. Mais
Ça, je ne te conseille pas. J'ai déjà essayé avec un de mes boyfriends, c'était plutôt ridicule. Tu as essayé avec un de tes boyfriends? Oui, elle était fou amoureux. Alors, je lui ai dit, si tu m'aimes, fais-toi tatouer sur le front. I love Angelina. Et il l'a fait? Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas terrible du tout. D'abord, quand elle était avec moi, je ne pouvais plus draguer les autres garçons. Et après, c'est quand il m'a embrassée, ça m'a donné le fou rire. Je vous avais dit qu'elle était plus folle que moi. Alors là, tu as raison. Et qu'est-ce que tu as fait de ce pauvre garçon? Oh, je m'en suis débarrassée en le donnant à une de mes copines qui le trouvait mignon. Mais son tatouage? Ça, c'était un vrai coup de chance. Elle s'appelait Lina. Alors, il n'a eu que laisser une petite mèche pour cacher Ange. Mais Joanna, tu ne m'en veux plus pour ton petit cri-cri de mots. Non, non, Angelina. Tu ne pouvais pas se voir. Et cri-cri, tu lui en veux plus non plus? C'est un garçon. Tous les garçons sont pareils. Non, je vais faire les têtes à genre deux. Ne lui dites rien, hein? En plus, tu sais, finalement, je m'en regardais, hein? Finalement, il n'est pas si terrible que ça. Comment ça, pas si terrible que ça? Oh, mon pauvre cri-cri! Ben non, il est tout petit, tout mélingre, tout chétif. Finalement, je me suis laissée avoir parce que c'était la première petite Frenchie que j'ai rencontrée. Mais maintenant, quand je connais, je préférais Étienne ou Nicolas au moins. Ils ont du muscle. Alors là, tu vois, Angelina, ça, on te le déconseille fortement. Ou alors, c'est nos muscles à nous que tu vas connaître.